Salut, on se retrouve pour la troisième manche du championnat du monde sur Formula One 2018. Donc je vous mets le classement au niveau du championnat avant cette troisième manche en Chine. Voilà, je suis dixième avec 8 points. Donc on se retrouve tout de suite après les qualifs sur la grille de départ. Ouais, si j'ai pas trop m'engouffré, j'ai plus à perdre qu'à gagner. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Alors, on va rester comme ça. C'est pas trop mal. Je suis P9 pour l'instant. On s'arrête sur ce tour, essaie de nous faire un beau chrono. On est prêt à te recevoir. Arrête-toi ce tour-ci. Non, on va rester encore un peu. Profiter du DRS. Thank you.
J'imagine que tu le ressens déjà, mais tes pneus montrent des signes d'usure. Ils devraient tout de même tenir un peu. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Quelques infos au sujet de Grosjean. Ils ont un problème apparemment. Alors essayez d'en profiter, ils ont normalement la gomme froide. La voiture de devant est rentrée pour chausser des pneus tendres. Oh là là, c'est pas possible. On remarque de légers dégâts sur l'aileron avant. Ne prends pas de risques jusqu'à ce qu'on le répare, il ne faut pas que ça empire.
On est pris entre les deux Renault, Hülkenberg et Sainz derrière. Bon, petit bug ici. Notre retard sur le leader est de 13,8 secondes.
Il nous reste 5 tours de carburant. Allez, je vais avoir le DRS ici, ça va être bon. Voici l'écart avec notre coéquipier, 16,5 secondes. Il va rester 2 ou 3 tours, c'est pas mal ça. Ricardo devant. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 6,6 secondes. Notre avance sur la voiture de derrière est de 1,6 secondes. Bon, si ça reste en l'état, ça va être pas mal pour le championnat. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. L'écart avec la voiture qui te précède est de 6,6 secondes. Ouais, le temps est resté identique, donc j'ai plus rien à gagner. Moins d'une erreur devant. Un très bon résultat.
Yes. C'est bon ça. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Ça, c'est un bon résultat. Ferrari, les voilà qui montent sur le podium. Et quel que soit le circuit de la planète, les drapeaux flanqués du cheval cabré sont légion dans les tribunes. Aujourd'hui encore, ils sont de sortie, car c'est Ferrari qui s'impose une nouvelle fois. Une nouvelle fois, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc là, pour cette manche-ci, on est 7e. Qu'est-ce que ça nous donne au classement? Voilà, ça nous fait monter 9e. 8e coéquipier. 7e, Hülkenberg, la Renault. Ah, on est quand même déjà à 6 points de la Renault. Bon, ben voilà. Bah, écoutez, je vous laisse là-dessus et on se retrouve pour la prochaine, la 4e manche du championnat sur Formula One 2018. Salut.